la série de participation citoyenne est un creuset. C'est un creuset des ONG. Et aujourd'hui, il y a 30 ONG qui sont dans la série de participation citoyenne par commune. Et dans les 30 membres, on a retiré, on a retenu 15 qui sont les membres permanents. Nous sommes d'accord. Et le bureau est composé de 3 personnes et nous avons 4 groupes thématiques. Chaque groupe thématique est composé de 3 éléments. Donc ça fait les 15 personnes qui constituent la série de participation citoyenne dans chaque commune. Et c'est comme ça que c'est structuré aussi ici à Boricon. Non, nous faisons la veille citoyenne, la participation citoyenne et le contrôle citoyen de l'action publique. Donc voilà notre mission au niveau de chaque commune. Voilà. Donc quand on avait commencé à Boricon ici, bon, c'est comme c'est une nouvelle structure, les autorités ne maîtrisaient pas ça. 2012, pardon. Alors finalement, bon, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il faut se faire accepter. Voyez-vous. Donc on a d'abord allé avec un esprit, n'est-ce pas, de gens qui sont venus pour accompagner les élus, n'est-ce pas, à mettre en place les actions de développement dans chaque commune. C'est vrai que ce n'était pas bien accepté, ils auraient cru qu'on était des gendarmes ou bien des syndicats qui vont venir pour pouvoir les dénoncer, ainsi de suite. Donc, on a essayé quand même de nous faire accepter en montrant que nous sommes apolitiques. Voilà. Et dès qu'ils ont vu que vraiment nous sommes apolitiques, alors ils ont commencé à s'ouvrir un peu. Et c'est comme ça que finalement ils nous ont acceptés. Le début n'a pas été facile, c'est vrai. Puisqu'il faut se faire connaître. C'est une nouvelle structure, il faut se faire connaître. Donc c'est comme ça qu'on a parcouru d'abord les services déconcentrés de l'État qui sont dans la commune. Et les services clés que nous voyons qu'ils peuvent nous accompagner dans cette mission. On a essayé de les parcourir, d'avoir leur adhésion, de leur dire que bon, nous allons travailler en partenariat, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on s'est fait connu dans la ville de Boricon. Et ça nous a permis d'avoir le champ libre de pouvoir mener nos diverses activités au niveau de la commune. Voilà. Donc nos actions, nous faisons la veille citoyenne, c'est bien. Nous suivons les politiques publiques, comment est-ce qu'ils mettent en place les stratégies de développement. Voilà. Et nous participons aux sessions communales, nous participons à l'élaboration des documents stratégiques, n'est-ce pas, pour le développement de la commune, à savoir le plan de travail annuel, à savoir le budget. Voyez-vous, donc nous participons à l'élaboration de cette liste et ça nous permet de pouvoir savoir comment est-ce que les politiques pensent à impacter la population. Et à ces occasions, nous parlons parce que si ce qu'ils sont en train de programmer, nous voyons que la population n'est pas suffisant, alors là nous montons le ton, on essaie de voir avec eux pour dire bon, il faut faire comme ceci parce qu'avec ça il faut que la population soit impactée, ainsi de suite. Dans la mise en œuvre aussi également, dans la vie des chantiers, quand ils mettent les chantiers en construction, bon, on va pour aller voir comment est-ce que les chantiers sont en train d'être construits, ainsi de suite. Et nous avons notre rapport que nous faisons, on fait des observations, bon, on attire l'attention de l'autorité sur certains faits que nous voyons que ça ne cadre pas avec ce qui est programmé. Donc, en gros, voilà comment nous travaillons. Bon, avant, on faisait les émissions radio, nous sommes d'accord. Même maintenant aussi, par rapport à l'audience publique de réduction de comptes, on fait l'émission radio avant et après les audiences publiques de réduction de comptes pour pouvoir informer la population de comment les choses sont en train d'être réalisées en leur nom, dans leur commune. Donc, je pense qu'en gros, c'est ce que je peux dire. La collaboration avec le maire actuel de Boricon, je dirais c'est une collaboration qui n'est pas mal, c'est franc. Nous sommes d'accord parce que bon, nous avons vu en ce maire quelqu'un qui est venu avec un esprit de développement.
Et c'est ce que la population recherche. Voyez-vous, tout n'est pas parfait, nous sommes d'accord, mais c'est déjà bien. Et on collabore bien. Et ils nous appellent fréquemment pour avoir nos avis sur certains sujets. Il semble voir que bon, il faut que la société physique apporte son grain, n'est-ce pas, au moulin. Donc là, on se rapproche de lui, on discute, on échange et il prend nos avis à des moments donnés pour pouvoir avancer dans la réalisation de certaines choses. Donc je pense que la collaboration est bonne. Pendant les 2 ans qu'ils ont fait, mais avec la réforme actuelle, c'est un peu difficile parce que bon, la réforme est une très bonne chose, mais vous savez, c'est les acteurs qui doivent mettre la réforme en marche. C'est là où se trouve le grand problème, voyez-vous. Sinon, la réforme en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Mais comme ce n'est pas encore bien compris par les acteurs, ça continue de poser vraiment des problèmes pour le développement. Ma conclusion, c'est que bon, les élus, ils viennent réellement quand ils postulent pour pouvoir diriger la commune. Ils viennent avec l'esprit de réellement de développement. Nous sommes d'accord et nous souhaiterons à ce que cette collaboration qui existe entre la CPC de Poïcon et les élus locaux continue et que ça s'améliore. Nous sommes d'accord et nous souhaiterons que vraiment que ça soit aussi ainsi dans les autres communes, parce que notre contribution par rapport à la réalisation des œuvres au niveau de la commune pour la population, je pense que ce n'est pas mal. Et si ça peut se passer comme ça dans toutes les autres communes, je pense que la population en tirera grand profit.